Et coucou le rap, coucou la rediff, coucou le chat, comment ça va le chat tout. On est de retour toujours dans les égouts de la mort. Ce soir on va faire l'Aiden, deux minutes et ensuite on est tombé dans les égouts. Voilà, parce que je suis un bouffon. Attends, non c'est pas là. Vas-y, tu peux me tuer, je m'en bats les couilles. D'ailleurs, va un coup à la table ronde. Ah mais moi, il n'y a plus personne à la table ronde, Covin. Moi, c'est le bordel, la table ronde. Le corpophage... Ah non, ouais, il m'a pas donné sa quête encore. Maintenant que je suis dans les égouts, il me donne la quête. D'accord, ok. Ok, on va faire... Il m'a pas donné sa quête, il était là, ouais, me fait en mode ouais, casse-toi, connard, tu m'intéresses pas. Moi, ouais, il y a plus personne, hein. Lui, il est plus là. Il y a plus là. Il y a plus de la vie, c'est vide. Il y a plus personne. Il y a plus personne. Moi, c'est un enfer. Hop. Hop. Elle est plus là. Il y a plus que. Il y a eux deux, Gideon. C'est tout. Renforcer une arme. Ah mais j'ai pas de rune. Non, sa quête, il te la donne quand t'atteins la case. Si ça t'indique l'existence des égouts, mais tu les as trouvés tout seul. Ah d'accord, ok. Ah, elle est toujours là, toujours buggée. Ok, vas-y. Grave. Attends, c'est nouveau ce qu'il me dit. Ah, c'est vous qui êtes-il, on dirait. Attends, une nouvelle chose? Non, rien. I asked you not to be thankful of the halts, it is all that keeps you. Il me donne rien, hein. I asked you thankful of it is all that keep. I asked you thankful of that it is all that. On bat les couilles, hein. Donne rien du tout, hein. Bah c'est peut-être après avoir battu le boss de la capitale. Ah ouais, peut-être. Attends, comment on accède ici? Ça c'est catacombe de l'un d'elles. En parc... Attends. C'est quel feu? Mais comme tu peux le voir, moi ma table ronde est bien vide. Non, c'est pas là. Putain. Chemin souterrain. C'est complètement con puisque comme tu le fais, il est très possible d'explorer les égouts avant. Bah vas-y, on va arrêter un peu les égouts. Bon, je les mets de côté les égouts. Je vais noter les égouts. Et on va avancer dans l'un d'elles un peu. Église de la basse capitale. Putain, c'est le bordel. Balcon sur l'avenue. Vas-y, balcon sur l'avenue. Et on va faire l'un d'elles. Je voulais faire l'un d'elles ce soir. Donc est-ce que c'est là que je voulais aller? On va dire que oui. Ok, ouais. Ouais. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais tant pis. Laisse-moi tranquille. Effectivement, moi, à la table ronde, j'ai encore Roger, Fiadé, le garde du corps du mec qui te donne la localisation des dominios que tu n'as plus.
Le garde du corps du mec qui... Ah, Gideon. C'est pas le garde du corps de Gideon, hein. Nos rapports, hein. C'est juste un mec qui est là, hein. Ah ouais, toi, tu l'as encore. Ah. Ok. Ok, ok. Par contre, moi, le coffre-fort vient de se barrer. C'est ma prochaine quête que j'ai dans le viseur. Ok, d'accord. Ah non, moi, le coffre-fort, il est apparu il y a pas si longtemps que ça. Hein. Qu'est-ce que je fais, moi? Bonjour. Sasuke ? Ah merde, j'avais plus assez d'endu. Tu me saoules ? Non, il y a une échelle derrière moi là, si je me souviens. Non, pas Gideon, il y a une meuf qui te parle jamais qui garde la salle de ce mec. Ah, je veux dire, Gideon ? Je veux dire, quand tu dis. Ouais, tu me dis. Tu me dis, par contre, le coffre-fort, je viens de te barrer. Non. Tu me dis, le garde du corps du mec qui te donne la localisation des demi-dieux. Bah, le mec qui te donne la localisation du demi-dieu, c'est Gideon. Et l'autre, il a un nom, tu l'apprends pas tout de suite, en fait. Si tu dis le garde du corps, c'est parce que juste. Ah, je suis pas allé ici, moi. Ah, ça a l'air immense, hein. Moyen de passer autre... Non, ici, je suis allé, ici. Ah, ici, ça, c'est ça j'ai fait. Ok. Ouais, j'étais en mode, pourquoi t'es pas mort? Mais ouais, parce que je suis à une main. Ah, une grâce. Ah, ok, je croyais que Gideon, c'était un autre mec qui s'était barré dedans. Non. Ah mais moi c'est... Bah comme j'ai avancé dans pas mal de quêtes, ça a changé beaucoup de trucs à la table ronde en fait. Diverses quêtes... Résultat, le mec qui cherchait sa servante, tu l'as trouvé aussi? Je retiens un peu les noms... Le mec qui... Tu sais, il dit ouais, je cherche ma servante, Lania, nanana... Tu l'as trouvé lui? Ou il est toujours à la table ronde? J'aime bien parce que je suis un des plus gros noobs de FromSoft, mais je donne quand même des conseils à des gens. Oh, il y a Solena en l'heure. Coucou Solena. Oh. Ah, le résultat, ça m'ouvre. Oh putain! Il m'a fait peur! Il m'a fait peur! Ah, vraiment, je suis tendu ce soir. C'est un truc de dingue. C'est de lui que je parlais justement, celui qui parlait de sa servante, je sais pas du tout où il est passé ni pourquoi. Ok, tu veux que je te dise où il est? Il est dans les marais. Il est dans les marais, il est... Allez. Il est par là. Il est dans le coin là, ici. Il est ici. Je crois, il est par là, dans ce village pourri là qui est inondé là. Il est dans cette zone, je sais pas où exactement, mais il est là. Et si tu veux progresser avec lui, il faut que tu le trouves. Ouais, pareil, c'est une quête. De toute façon, tous les PNJ, quasiment, c'est des quêtes. Hein. Pat, pareil, j'ai avancé dans sa quête, mais j'ai skip un moment où j'ai cru comprendre que j'avais skip un moment parce qu'on m'avait dit ça, un viewer m'avait dit ça. Et j'étais en mode, ah ouais? Mais j'ai pu continuer sa quête en skippant un moment, Et un moment qui était drôle. D'accord, bah je l'avais pas vu, j'aimais pas explorer le marais non plus. Ah ouais, mais marais, de la merde. Hein. Vraiment de la merde. Attends, je suis venu d'où, là? Moi, je suis venu de là-bas, là. Donc là, résultat, j'ai ouvert le passage de la grande rue, c'est ça? On est d'accord? Donc maintenant, je peux aller là. Prison, catacombe de l'Indel, chemin souterrain, balcon sur l'avenue. Pat, je l'ai battu, je l'ai épargné, je suis revenu chez lui, j'ai pris le coffre piégé et c'est tout. Ah, moi, j'ai jamais ouvert son coffre. Moi, il m'a dit, ouais, le coffre, il est pour...
Il est pour... attends. Il est pour un client qui aura été généreux. Ouais, Skip, il existait en DS3. Bah, Pat, je l'ai revu. Pat, résultat, j'ai pas fouillé son coffre. Et Pat, pareil, il est dans le marais. À côté de la nana chelou qui cherche son médaillon. Et il est là, en fait, la deuxième fois que tu le vois. Ensuite, tu le revois rapidement, ou tu peux l'invoquer rapidement au combat de Radas. Et dès qu'il est arrivé à la moitié de sa vie, il a marqué « Pat a fui le combat comme un lâche ». Je sais pas si t'avais vu. Mais ils sont tous dans le marais, ces couillons. Alors, lui, ouais. Mais lui, tu le vois une fois et ensuite, tu le vois plus au marais. Pat, tu le vois une fois ici. Et voilà, c'est tout. Je suis pas allé là. Ça sent le guet. Ça sent le plan cul, hein, de ouf. Non, pas d'invoque, même contre Radan. Donc, je l'ai pas invoqué. Oh ! Ah, franchement, t'as loupé un truc parce que c'est vraiment... Moi, j'étais en mode, waouh, c'est trop classe ! T'invoques 10 persos différents, il y a tout le monde qui va se battre contre lui en mode vraiment à la guerre quoi, genre avec la musique et tout, ça donne un truc épique où il y a tous les persos que tu connais quasiment qui sont en train, qui foncent vers Radas. Franchement, juste pour ça, ça... De toute façon, ils lui font rien à Radas, ils ont aucun dégât. Ils sont là, c'est juste pour le côté épique, genre ils participent au festival quoi. Et je l'ai burst, mais je l'ai tellement burst. What the fuck? Non mais putain, mais j'ai envie de... Il y a un passage ici, ok, d'accord. Et Radan, j'ai galéré un peu. Et puis je l'ai burst, mais tellement salement, genre... À un moment, genre, je suis arrivé, il lui restait 5% de sa vie. Il a pas eu le temps de passer en phase 2, il passe en phase 2, il revient en mode météorite. Hop, je lui ai donné un dernier coup, il était plus là. Il le tank. Ouais, il le tank, il le distrait, mais il donne deux coups, ils sont plus là, quoi. Mais il y a un truc épique à voir tout le monde aller vers lui. Il y a un petit côté cool. Bon, bah écoutez, je voulais continuer, mais le jeu me dit, viens, on est bien dans les égouts, là. On passe des beaux moments. Encore. Ah, d'accord, ok, je suis là. Ok, je vois où je suis, j'étais en bas un peu plus tôt. Ah d'accord, ok, ça me débloque ici. Bon, je vois pas quel intérêt maintenant de débloquer ça, mais vas-y si vous voulez. Ah, peut-être en passant là. Peut-être pour aller sur les toits. Non. Aucun intérêt. Oula, elle est dégueulasse cette ombre. A plus. Il va monter. Non mais frère, t'es sérieux là dans ta... T'es sérieux dans ta vie là? T'es sérieux lui? Connard. D'ailleurs dans l'église, là sous toi, quoi? Ouais, bah quoi? Y a une grâce, ouais. Il y avait des fringues de Fia et d'un chevalier à qui elle a tenu compagnie sur son lit de mort. Ah ouais? Ah j'ai trouvé des fringues éventuellement, effectivement. Ah ouais? Ah ouais, attends, j'ai trouvé des fringues. Plus d'exilés. Ah mais c'est ça les fringues de Fria. Robe blanche qu'on portait par la campagne mortuaire. Robe mortuaire. Ouais c'est cœur de lion. Très lourd.
Le chevalier t'as un full set d'armure très lourde, j'ai oublié son nom. Ah oui, c'est bah c'est le casque que j'ai en fait. C'est le truc qui ressemble au chevalier oignon, ouais, c'est ça là. Ah, celle-là, là, l'armure de Lionel. Je suis Lionel. Je suis Helmut Kruger. C'est parce que ce que je viens de faire, c'est une double ref au Palmacho, mais faut l'avoir. Yes, Lionel, cœur de lion. Ah ouais, bon, j'ai juste pris le casque, je le trouvais un peu mieux que ce que j'avais. Pour certains points, il a un peu moins d'équilibre. Oui, tu peux également summon lors du combat de Radahn. Ouais, bah il a l'air d'être mort hein, maintenant. Ok, bon bah continuons le chemin. Wesh les connards! Comment ça va? Aïe, vous m'avez fait mal! Vous me faites mal! Bah ça va aller, 2 minutes! Bon, je suis comment là? Je suis en charge moyenne. Ok, ça va. Aïe! Ouais, faut arrêter de se prendre pour des Pikachu, hein. Vraiment, vous êtes saoulant. Ouais, ça va, les armures, les centres d'armure imparables. Mais là, résultat, ouais, j'ai quand même, bah tu vois, j'ai l'impression d'avoir fait quand même pas mal de quêtes. Et ça, je suis très content, parce que mon but, quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit, ouais, faut que je fasse un maximum de trucs, je veux connaître les histoires, je veux connaître tous les moindres recoins de... Ah, ça a l'air immense, putain. Alors, moi, j'ai un truc à faire ici. C'est la requête de qui? Ah, c'est Vagram, ok, d'accord. Pas un feu dans le coin là. Un petit feu là. Parce que là y a pas de grâce là. Parce que excusez-moi mais cet endroit il pue le boss quoi. C'est ce que j'essayais de faire aussi mais comme je disais selon là où tu vas dans quel ordre à quel moment de la journée tu vois pas les mêmes choses effectivement. Bah moi je joue voilà quand, sur des maps comme l'Indel par exemple je joue beaucoup la journée. Mais c'est vrai que par exemple, t'as les chevaliers du crépuscule, t'en as pas mal, mais tu les vois que le soir, quoi. Et résultat, j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai dû en louper parce que je joue beaucoup la journée, quoi. Mais en soi, niveau horaire, à part les chevaliers du crépuscule, j'ai pas trouvé des trucs en mode qui changeaient énormément. Je suis parti, mais dans une direction... J'ai vu une salle probablement de salle de boss et j'ai fait vas-y c'est pas grave. Trouver 4 chevaliers du crépuscule et 3 chasseurs de cendres. Alors les chasseurs de cendres, il y a des boss. Il y a des boss, je les ai tellement lavés tellement lavés, j'ai même pas eu le temps de voir comment ils s'appelaient. Alors ça se trouve des chasseurs de cendres, c'est vraiment je sais pas à quoi ça ressemble. Oh! Oh! Attends. What the fuck mais je suis. Mais what? Ah, mais oui, bah maintenant, oui, je reconnais, oui. Oui, bah oui, je reconnais, là. Oui, bah ça, c'est les cuisines. Attendez, je me suis perdu. Attendez, je me suis perdu de ouf, là. Bon, bah, salle de... Ah, c'est pas la salle de boss. Non, attends, on va faire ça plus tard. D'accord, ok, c'est la vraie table ronde. Chapeau poitou d'Albéric. Robe d'Albéric, brassard d'Albéric, pantalon d'Albéric, que des trucs pour des magots de mort. Oui. Oui, c'est la table ronde, et ça, c'est la salle des défis, ça.
Braithwaite, tu peux envahir ces des mondes. Moi, j'ai pas ça. Comment ça, tu peux envahir des mondes? Ah non, non, mais ça, c'est... T'occupes. Tu veux que je te spoil ou... Mais ça se passe comment C'est pas des mondes à envahir. Hein. Nos rapports. Hein. C'est des gens... Ça, c'est pas... Ça, c'est autre chose. Oiseau inapte au vol. Bah, ça avait l'air d'être pour du PVP. Ouais, mais c'est... C'est pas du vrai PVP. C'est du PVE. Ah, mais ça, c'est un PVE, ça. Ouais, mais t'as pas ça, parce que t'as pas... Ah, si tu veux... Mais c'est du spoil, hein. Je peux pas te dire. Faut que t'occupes. Regarde le monde de Vagram, le loup enragé, et de William le sorcier errant. Non, je vais pas les faire maintenant. Je reviendrai plus tard. Très étrange d'être à la table ronde des résultats. Bréviaire des deux doigts. Résultat, je me pose beaucoup de questions sur pourquoi du comment. Non, en fait, on est dans une sorte de TARDIS, quoi. On est dans un monde qui n'existe pas vraiment. On est dans une... Non, pas un TARDIS, c'est une copie d'un lieu. On est dans une copie du lieu, quoi. C'est pour la déco, quoi. C'est juste pour dire, ouais, on a notre lieu à nous, mais c'est pas notre lieu à nous, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait un passage ici, normalement. Y'a rien. Oui, mais dis, sinon je parcours plein d'endroits que je devrais reparcourir parce que j'ai pas eu la fichue quête. Alors, ça, c'est en rapport avec la quête du manoir du volcan. Voilà. En fait, la quête du manoir du volcan, quand tu deviens champion du volcan, grâce à la lettre que t'as donnée la nénette chelou, là... la nénette chelou, bah, tu vas devenir champion du volcan et en fait ils vont te demander de chase des gens. Voilà, je veux pas te spoiler. Voilà, ils te demandent de chase des gens pour des raisons particulières. Et genre en fait. Quand tu es chase, en fait, tu envahis leur monde. Mais c'est du PVE. Et en fait, ça, voilà. Et résultat, les gens que tu chase, ils te les mettent sur la carte. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout. D'accord, donc là, on est dans la chambre de Fia. Enfin, c'est prédentement la chambre de Fia. Très bizarre, tout est éteint. Arc runique. Ah ça va, si c'est sur la carte, c'est moins le bordel. C'est la seule quête où il t'indique. Alors par contre, après c'est plus sur la carte de ce que je pense. En fait, c'est vraiment la seule quête où quand ils te disent de chase, ils te disent à peu près où il est, mais ils te le mettent sur la carte. Bizarre, on peut pas accéder à cette... Je finis ma petite visite et puis ensuite on va ouvrir. Parce que là normalement il y a les deux doigts ici. Attends, non, là c'est Fia. Moi je suis arrivé de là-bas, c'est ça? Je suis perdu. Là t'as la porte. Ah d'accord, et là t'as l'endroit de Gideon. Mettre des doigts crochus, ouais. C'est bizarre qu'il m'en donne un. Mais donc voilà, donc c'est un mais je... Voilà, c'est pour ça que... Mais des fois, il y a des marques au sol. C'est... Alors c'est là où c'est chiant d'activer le multijoueur, c'est parce que... Oh, what? C'est... Oui, j'ai eu ça. Augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Ouais. Malédiction du semi. Une clé? Peut-être un truc dans le genre? Malédiction apparue sur un corps souillé par le coffrophage. Malédiction cultivée sur un corps tué et profané par le coffrophage. Une douce sueur provoquant la croissance de cornes à la manière des réprouvés. Le coffrophage se sert de cadavre pour nourrir sa malédiction du semi.
Ainsi, il empêche les âmes des défunts de retourner à l'arbre monde. On trouve difficilement acte plus ignoble dans toute l'entre-terre. D'accord. Ah, et là, peut-être qu'il me donne la quête. Comment tu trouves plus de choses que moi en me perdant dans une réplique de la table ronde, ça me fume. Je sais pas, je fais... Vraiment, je trouve plus de trucs que toi, là. Je sais pas, moi, je... Bah, je sais pas. Non, je fais... Ah ouais, moi, je suis un Dyson hein, dans le jeu. Dans les jeux de base, j'aime bien faire... Je fais pas du 100% parce que j'ai trop la flemme. Mais j'aime bien... quand j'aime bien l'histoire, l'univers, j'aime bien les faire à fond. Allez, let's go. Je sais pas ce qui nous attend ici. Bah, mon avis de doigt, c'était une blague, je le prends pas à cœur. Non, non, je le prends pas à cœur. Ah, d'accord. Non, tu trouves autant de choses que moi. Ok, la pièce est très différente. Ah non, c'est la même pièce, mais il n'y a pas les mêmes meubles. Épée cryptée. C'est une clé USB. Oh, l'épée cryptée. Épée secrète octroyée... Oh, c'est une épée le seigneur des anneaux. Épée secrète octroyée par les deux doigts ou sans éclat de la table ronde, sa lame est composée d'une suite de symboles informes et inflige des dégâts sacrés imparables. En des temps immémoriaux, à l'époque des dieux, les deux doigts étaient encore vigoureux et capables de prouesses oratoires. Les champions se rassemblaient au bastion de la table ronde. Ah ouais, mais résultat, je me TP où? Compétence unique, lame imparable, vous imprégnez la lame de lumière pour l'allonger, puis effectuer une attaque large et rapide, ses compétences est imparable. C'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai vu c'est une épée seigneur des anneaux. Ah, c'est une épée seigneur des anneaux, hein, soyons honnêtes. C'est tout, c'est tout ce qu'il y a, j'ai tout fait là. Moi j'ai tout fait hein. Je crois que j'ai tout fait ouais. Bon résultat, comme j'ai eu le semi du copropage, ça doit être ça qui active sa quête, probablement. Il y a un feu quelque part, une grâce là, pour être sûr que je puisse me TP quelque part. Ouvrir. Genre le porc. Bah. T'as un levier que je peux pas actionner. Peut-être après j'avais trouvé un autre semi du coffre-fage dans une autre zone. Bonjour. Non. Putain salope. Oh, ça pue à l'intérieur, mais nettoyez de temps en temps. Ouais. Pue le cadavre. C'est peut-être le morceau de peau aussi, tu me dirais. Ouais. Oui. Tac. Non ! Mais vous, j'en ai marre ! J'ai envie de vous saouler. Car wash. Non ! Putain, elle m'a niqué deux fois, quoi. Non ! Putain, on va finir. Non, mais ils abusent là, ceux-là. On vénère. Ils ont kiffé les faire des câlins, ceux-là. Très joli, hein, ouais, vraiment le jeu et les lieux. Pas forcément les plus beaux des graphismes, mais encore les graphismes sont très bien. Hein, mais les lieux, la DA. C'était déjà bien dans Dark Souls, mais au final, vraiment être passé en mode next-gen, c'est ça leur réussit tellement. Âge de faucon des tempêtes. J'ai tout fait en bas là, j'ai tout fait dans.
Attendez, attendez, je crois que j'ai loupé un truc. Bizarre qu'il y ait un levier ici. Je crois que je suis pas allé là. J'ai pas vraiment fouillé ici. Ah si, si, j'ai trouvé une grâce. Putain, je suis débile. Moi, j'ai fini au manoir du volcan. Car la première fois que j'ai rencontré une Iron Maiden, elle me one-shotait avec son câlin. Ah. Et en plus, il y a... Gideon, il te le dit à un moment. Il te dit, ouais, si t'as envie de continuer ta quête... sachez que si vous vous laissez attraper par, par une des vierges de fer que vous pouvez trouver chez Renala, vous serez transporté là où vous devrez continuer votre quête, et qui est le manoir du volcan. Et donc, tu as deux moyens d'accéder au manoir du volcan. C'est soit la vierge de fer, soit tu deviens un champion. Est-ce que t'as fait le manoir du volcan, mais t'as rencontré la seigneurice, la seigneur du manoir du volcan? Ou t'as juste fait le manoir du volcan? Deux secondes. Fun fact, la hache de faucon des tempêtes, j'ai vu un streamer en looter deux en tuant la fille de Gideon. MDR. Ah, mais j'atterris ici! D'accord, bah ça, c'est l'autre endroit où tu peux arriver à l'un d'elles en te téléportant. Je suis déjà venu ici. Mais y'a rien de plus ici. Il y a des trucs ici. Il y a quelque chose à faire ici. J'ai fait la Stargate et la Stargate, je sais plus où à Borbed. Borbed à un endroit à la con. Ah mais donc cet endroit, je m'en bats les noix en fait. Il ne l'a pas tué dans le cadre d'une quête, je précise, il a juste buté sur un coup de tête à voile orage, putain. Mon dieu. Non, manoir. Est-ce que tu... Alors, j'ai appris un truc aujourd'hui. Est-ce que tu... Ah, parce qu'il y a un mec, il a tenté de tuer la tortue. La tortue de l'église des vœux. Est-ce que tu savais à quoi servait l'église des vœux? Parce que j'ai appris un truc moi aujourd'hui. Et j'étais déjà venu ici, c'était mon premier passage. Ouais, c'était premier coffre piégé, ouais. Premier passage à la capitale, j'étais en mode. Je venais à peine de découvrir les marais, j'ai fait vas-y, plus tard. C'est pas le moment. Je sens que c'est pas mon niveau. En lisant un article sur le mec qui a voulu. Qui a voulu tuer la tortue, j'ai appris un truc. Est-ce que tu sais à quoi sert l'église des vœux? Ou pas? Parce que ça se trouve, je suis un débile et j'étais le seul qui comprenait pas. Parce que quand tu vas à la statue de l'église des vœux, ils te disent, ouais, tu n'as pas de péché à absoudre. Je suis en mode, ah bon? J'y suis allé plusieurs fois et j'étais en mode, toujours pas? Bon bah tant pis, ok, d'accord, j'ai pas de péché à absoudre, ok, d'accord. Vas-y, si tu veux. Je sais pas si c'est par là. Ça sent le chemin hein, en vrai. Oh, y a plein de trucs là. Voilà. Voilà. Oh, y a plein de petites... Je peux accéder à ça et à ça. D'accord, ok. Mais il y a quelqu'un en haut. Ah, c'est un protecteur de l'arbre monde. Putain, mais tourne-toi vers la bonne direction. Ok. On peut pas accéder à ce truc. Il y a beaucoup de protecteurs de l'arbre monde là, ici.
J'ai compris ça après la description, d'après la description de la rosée. Ah putain, moi je suis pas, j'ai pas lu la description de la rosée. Je déteste le jeu de plateforme, le faire du plateforme sur ce jeu. Putain, mais c'est une blague! Is that a joke? Quel enfer! Comme si on était à la capitale, j'ai compris. Comme si on était à la capitale formée autour de l'arbre monde. Mais mourez! Vous croyez vraiment que je vais me battre contre vous là? Je déteste ces merdes. C'est un cadavre d'un mec que j'ai eu. Il y a quand même beaucoup, hein. C'est ce genre d'endroit où les joueurs ils mettent un message et ils disent ouais, t'inquiète, cousin, tu peux y aller. Passe, y a un pont invisible. J'avais pas vu ma vie. Et ouais, donc j'ai appris que les PNJ que tu tues, tu peux les raise à l'église des vœux. Donc moi j'y suis allé, mais comme j'ai tué aucun PNJ qui était important, j'ai personne à raise. Ce qui me rassure, hein, parce que... Il y a 2-3 personnes que j'ai tuées, j'étais en mode... ah... Quand même, j'avais pas envie de les tuer, quoi. Mais ça faisait partie de l'histoire, en fait. Ah, je pensais pas que tu pouvais les raid, je pensais que ça faisait juste qu'ils ne t'aggro pas. De quoi? Si tu es arrêté à pied dessus par les adversaires. Ah! Je crois que tu peux... Il y a deux... Tu peux... si tu étapes... Je crois que ça fait les deux, en fait. Ça te permet de faire en sorte qu'ils te pardonnent. Et ça te permet, si tu les as tués par inadvertance... Enfin, par inadvertance, hein, bien sûr. Alors, je sais qu'il y a une quête que j'ai pas fait, d'ailleurs. Un mec qui a un casque un peu particulier. Mais je l'ai pas recroisé depuis. Une collection de graisse que j'ai quasiment jamais utilisée. Et donc quoi, ouais, tu peux les raise. J'ai appris ça aujourd'hui. En fait, tu vas là-bas, tu utilises une rosée et ça te permet de raise les personnages que t'as tués. De résupat si tu l'as tué pendant son combat de boss, qui sait. Bah, tu testeras. Tu testeras et tu me diras, parce que moi, j'avoue, je l'ai pas tué. Donc ça règle... Le problème est quelque peu réglé, quoi. Comme je l'ai pas tué, j'ai pas de problème. Oh là là, là le petit pas là qui pour à tout moment, je suis pas bien quand je suis sur ce genre de truc là. Je peux pas tester, j'ai pas tué Pat. Bah va tuer Pat. Moi je connais quelqu'un qui a tué Pat. Ah! Ça sert bien. Pourquoi je fais ça, moi? Pourquoi je me heal alors que je suis pas à distance? Pas bon, j'étais pas dans le combat, j'étais pas prêt. Oh. J'étais pas prêt, j'avais pas assez de fioles. J'étais pas prêt.
Ouais, j'ai trouvé que ce combat de boss faisait très surprise. Par contre, je l'ai battu du premier jeu, je l'ai trouvé anecdotique. Alors que merde, c'est censé être le premier Seigneur des Lords, moi son fantôme, I guess. Ah moi je l'ai pas eu du premier coup, hein. Donc c'est bien ce que je pensais. Alors c'est ça qui a bougé, donc résultat, si ça a reculé, hop, j'avance comme ça. Voilà. Mais rude! Voilà, je fais de la merde vraiment en plus. Un peu de monde, on est 5. Bon, c'est un très beau chiffre, 5. Beaucoup de leur cœur. Hein. J'ai tellement d'arc chronique. J'ai appris, genre, au bout de 70 heures de jeu que... Alors, au bout de 50 heures de jeu, j'ai appris que c'était pour activer la rune majeure. Au bout de 70 heures de jeu, j'ai appris que tant que tu meurs pas, elle est toujours activée. Je suis le pire, hein. Allez, viens. D'abord mes runes, elles sont où? Voilà. Vas-y, viens. Viens mon mouloulou. Viens affronter Bélier de Bouc. J'essaie de voir ses patterns, mais... Le truc, c'est que c'est bien le premier Seigneur d'Elden, mais c'est pas qui sera le prochain et le vrai Seigneur d'Elden. Putain, mais laisse-moi me heal. Je fais n'importe quoi, j'arrive pas à... Putain, les coups en contre-temps, vraiment, quel enfer. Au secours. Ah d'accord. Vas-y, viens. Ah oui, d'accord. Pour moi, je l'avais esquivé, mais... Cette portée. Moi aussi, je veux bien mesurer 10 mètres avec un bras de 5. J'ai plus de heal. Wouh! Mais ça, c'est un petit boss, ça. Ennemi majeur, Godfrey, première Seigneur des Mers. Oh oui, une nouvelle sacoche à talisman, oui! Putain, depuis le temps! Inventaire. Dame! Putain! Enfin! Je peux mettre un autre talisman! Oh, je pourrais mettre deux, ça et ça, hein. Ça. Restore progressivement des PV. Ouais, vas-y. Ça, c'est pas mal. En vrai, un petit passif comme ça. Donc, c'était ça, votre premier Seigneur d'Elden. Pfft. Oh, c'est des deux doigts. Elles sont mortes. Oh putain, il y en a plein qui sont mortes. C'est horrible. Ouais. Bon, c'est bon. Si lui, c'est le premier Seigneur d'Eden, moi, je serais le... Clairement, j'ai de quoi devenir le nouveau.
Bon, j'ai un appel du pied pour rejoindre ma chambre à coucher que je vais suivre. C'est dommage, j'aurais bien aimé te voir rejoindre le prochain vote. Je verrai peut-être ça dans les rediffs. Bonne soirée, bonne exploration. Et bah, tu sais quoi, moi je vais pas tarder non plus, hein, en vrai. Je crois dans 10 minutes je vais arrêter. Faut voir, il est quelle heure, 45 minutes. Ouais, la VOD, hein, 15, dans un quart d'heure j'arrête moi. Et vas-y, des bisous. Bonne soirée à toi. Putain, j'aurais dû mettre un truc de saumure, je suis débile. A plus, et merci d'être passé dès là. Et la bise à mademoiselle. Moi, ma femme, elle est au cinéma. Ça pue cet endroit. Si ça se trouve, il y a d'autres morts. Quel enfer. J'étais tellement pas prêt. Tout est calme. Et puis d'un coup... Oh, Chomorverse. Merci, Seven TV. Comment on va? Bienvenue. Bienvenue à vous. Installez-vous. On fait du Elden Ring. Tu étais sur Elden Ring, sûrement. Bienvenue à toi. Putain, j'ai eu peur. Merci du raid. Ah, quel enfer. Je me fais peur moi-même avec mes alertes à la con, quoi. Tout le monde, alors on a eu peur. Non mais ce soir, je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps peur, hein. Vraiment, je suis... les égouts, d'habitude le jeu je suis tranquille, et là les égouts ils m'ont à chaque fois, à chaque coin de rue, j'avais un sursaut. Et bienvenue à toi. On ne se connaît pas, Seven. Merci du raid. Tu cherchais des gens sur Elden Ring, t'as trouvé ma bouille sympathique. Tu t'es dit, oh, lui, il est moins loin que moi. Je vais vous envoyer là-bas. Enfin, tu étais... probablement sur Elden Ring. En général, quand tu raides quelqu'un qui est sur Elden Ring, c'est souvent soit tu fais un FromSoft, soit t'es sur Elden Ring. Comment s'est passé ton stream? Et je pense pas qu'on se connaisse. Non, peut-être, si, je sais pas. Détrompe-moi, hein, comme je suis un peu neuneux sur les bords. Ouais. Il y a un passage là-bas. Je vois un escalier. Oh non! Quel idiot. Il y a une plateforme ici. Là, il y a un trou. Ouais, c'est le vide. Là, il y a un balcon. Il y a un moyen d'accéder au balcon, c'est pas possible. Non, j'étais sur Split Gate en découverte. Et non, attends, Split Gate, c'est quoi déjà? Ça me dit grave quelque chose. Et non, on connaît pas. C'est grâce à Room Streamrunner. Ah! Room Streamrunner? Attends, c'est un nouveau truc de Streamrunner? Ah non, c'est quoi? C'est un nouveau... C'est... Ah mais putain... Split Gate, c'est quoi déjà? C'est un FPS? Je me souviens. J'ai peut-être du caca en... Je crois que je l'ai déjà testé, ce jeu. Sur un de mes tests, justement. C'est un FPS. Ah, c'est un FPS, mais il a une particularité... avec des portails. Avec des portails? Ah, je crois que ouais, non, je l'ai jamais joué, mais j'ai vu des gens y jouer. Attends, c'est pas un truc de Ubisoft ou un truc du genre? Si je me souviens. Mais merci du raid, en tout cas. Écoutez, bienvenue, moi c'est Supplément Cell. Bon, à la base, je m'appelle Aoki, mais bon, à cause de ma chaîne, tout le monde m'appelle Cell. Donc voilà, là, en ce moment, on fait beaucoup, 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 beaucoup d'Elden Ring. Mais normalement, je fais pas mal de tests de jeux indés, et de temps en temps, bah, je fais un gros jeu. Ça dépend vraiment de pas mal de choses. Et là, c'est vrai que Elden Ring, c'est un peu le jeu du cœur. C'est un peu un jeu que j'attendais énormément, et je ne suis pas déçu. Donc voilà ma petite présentation. Je pourrais pas te dire s'il vient,
de Microsoft. Ah, voilà, c'est ça le passage que je cherche. Et donc là, nous sommes actuellement à la capitale de cette map qui est beaucoup trop grande parce que les développeurs ont pris beaucoup trop de drogue. Donc il n'y a pas une seule personne qui est venue leur dire « Ouais, vous abusez peut-être un peu sur la taille de la map là. » Et on vient de faire un boss. Un objet. Principe de l'ordre d'or. Qu'est-ce que c'est? C'est un bréviaire. Donc moi, je suis un peu un noob hein, de ce jeu. Donner un prêt expérience. Ok. J'ai plein de trucs. Plein de brévières. Je sais pas à qui les donner. Je sais que c'est pour améliorer, faire des meilleures quêtes. Avoir des meilleurs sorts. Mais c'est vrai que. Oh, de la rosée céleste. Ouais, mais comme je tue aucun PNJ. C'est rare que je stream autre chose que du iRacing. Une simulation. iRacing. D'accord, ok. Je croyais que c'était juste un genre. Simulation de sport automobile. Ah, j'avoue, arc de l'arbre monde. Oh! C'est bon ça? Ah, vous avez loupé un gros combat en quelques secondes près. Ah. Arc long, ornement évoquant l'arbre monde. Autant jadis, quand la bataille était synonyme de ferveur religieuse, cette arme fut créée pour décocher des flèches dorées. Puise dans la foi pour augmenter les dégâts de toutes les flèches, révèle son véritable potentiel lorsque vous décochez des projectiles imprégnés de sacré. Ah, ça augmente les dégâts sacrés, d'accord. Ok, je joue quasiment jamais sacré. Est-ce que je peux passer comme ça? Non, je peux pas. Je pense que je peux pas passer comme ça. Et bon, si vous connaissez pas Elden Ring, le jeu que tout le monde, que beaucoup de gens jouent. En ce moment, voilà, je vous invite, c'est une tuerie. Hein. Si vous aimez les open world, c'est une révolution pour l'open world. Et c'est... Il y a plus moyen de moyenner que sur les Dark Souls. Mais... On en est à 81 heures de jeu. J'ai quasiment jamais bloqué. Ah, attendez, je vais faire un truc, tiens. Regardez-moi cette carte. Regardez-moi cette carte immense. Et il y a encore tout ça, là. Il y a encore tout ça qui a débloqué, putain. Et en plus, ils ont fait des maps souterraines. Il y a une deuxième map dans la map, c'est n'importe quoi. Oh, putain, quel enfer. Ok, table ronde. Alors, et peut-être on a débloqué des nouvelles choses, vu qu'on vient de découvrir la vraie table ronde. Alors, le coffrophage. Le coffrophage. Allez, causer. Wesh. Mister. Ah. You have felt the curse. I can smell it on you. The box, yet tender. Apparently my seed bed is ripe and waiting. It was a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. I can kill you and defile your corpse. Then the pox will truly be your own. Ouais, non, ça va aller. C'est pas au programme. Ok, on va voir Gideo qui va nous apprendre sûrement des nouvelles choses et nous expliquer pourquoi la vraie table ronde est pas là. Enfin, c'est qu'on n'est pas dans la vraie table ronde. Je pense. Rien du tout. Il s'en bat les noix. Allons voir les deux doigts. On va voir les deux doigts. C'est un peu le hub. Pas les noix aussi, rien. Eux, ils ont rien à me dire. Alors non, rien. Et toi, quelque chose? Rien du tout. Ok, rien du tout. Alors, on se casse et on retourne à la capitale. Alors, résultat, c'était où? Manoir fortifié, rez-de-chaussée. Ah, c'est là. Sanctuaire de l'arbre-monde. Ah. On va peut-être se faire un petit boss avant de partir.
Alors, on va reprendre la racine. Parce que la racine m'amène ailleurs. Oui, c'est une racine, ce n'est pas un arbre, c'est juste une racine. Ah, c'est horrible, il y a des augures de partout, quoi. Les pauvres mamies, quoi. Pourquoi elles sont toutes mortes? Sachez que tout ce que vous voyez là, c'est explorable. Ah, il y a tout ce que j'ai fait là où il y a les deux archers en bas là que j'ai pas fait. Tout ça, c'est explorable. Allez, je vais me coucher, bon stream à toi. Merci Seven pour le follow, je passerai voir ce que tu fais. Ah! Là, par contre, on... Wow! Attendez, on va reculer un peu parce que il est dangereux. Ouais. Un peu de recul sur les choses. Il a rien laissé. Pourquoi il y a autant de... Bizarre ces dalles de... Ah, c'est des trucs qui sont marqués. Y a pas que toi, l'ami. Bye, à plus tard. Oh. Pourquoi utiliser des dalles en pierre? C'est des trucs anciens. Oh, si je me remets... Attendez. Rien de nouveau. Ajouter une dose de fiole. Améliorer les fioles. Okay. Bon, tant pis. Bénédiction de l'arbre monde. Ah, je me bloque pas en faisant ça. J'ai envie de grimper. C'est pas un... Ouais, je pensais à rien, mais... Bizarre qu'il n'y a rien si... Il y a plein de tablettes. Les ancêtres de l'iPad. Ça faisait un peu canapé. Ça fait un peu canapé à la romaine, ça. Le cul que tu dois avoir pour aller là-dedans. Ah! Voilà. C'est là que je vais rôter du sang, je crois. Ça fait longtemps. Graceless, tarnished. What is thy business? Alors t'as encore envie toi, connard. Pas tout sûr. Rani, ma waifu. C'est ma waifu. Willful traitors. Oh. Thy kind are all of a piece. Pillagers. Emboldened by the flame of ambition. Oh, nouvel arbre. Upon thy meager grave. Bon, on est d'accord, lui, je l'ai déjà affronté, hein. On est d'accord. Felled by King Morgoth. Last of all kings. Morgoth. Oh. Wow. Ok, il est rapide. Ah.
Désolé mon ami, je fais beaucoup trop de dégâts. Comme un ninja. Ouah. Rune majeure de Morgoth. Trophée obtenu, fais voir. Non, c'est pas ça que je veux faire. Non, c'est pas ça que je veux faire. Rune majeure de Morgoth. Souvenir du roi des réprouvés. Et bah, c'était rapide. C'était rapide de ouf. C'est pas la fin, j'espère. Ah ouais? Ok. 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 D'accord. Ah! Elle est de retour. Hello again. J'ai un style, quand je suis accroupi, je ressemble à rien. You were unable to enter the Erd Tree. Non. No. Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being. That spurns all that exists out. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Vous êtes bientôt, vous êtes arrivé à la moitié du jeu. I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Médaillon de Rold. Ok. Symbole rouge inscrit sur la carte. Ok, ok. Parlez à Mélina. I wish to journey with you once more to the flame of ruin, far above the cloud, then and guide you down the path to become. Elle veut mettre le feu au. I wish to the flame then. Elle veut mettre le feu à l'arbre monde. On est d'accord. Turn your runes to strength. Let my hand rest upon you. Share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Augmenter ma vigueur, hein. Non, j'ai rien. Améliorer les fioles, non, j'ai rien. Alors, attends, c'est laquelle mon armure, l'armure que je porte là, je peux pas la modifier. J'ai goûté ça moi. MDR. Ah ouais, ça change tout une fois que tu si tu échanges quoi. Alors, la plupart sont enlevés la cape. Là j'ai une cape, sinon j'ai plus de 4. Ok, ok. Ok, donc on est loin de la fin, hein, comme je le pensais. Eh bien écoutez mes amis, je pense qu'on va s'arrêter là. En vrai on a pas mal progressé, il nous reste... En vrai on va continuer à explorer. Il y a un truc là-bas là. I'm back. Bah j'ai bientôt fini. Bientôt fini, je vais aller voir. Il y a l'air d'avoir un truc là-bas. J'arrive bientôt.
Encore plein de trucs à voir à Lindell, résultat. Il y a un petit brouillard. Petit brouillard. Ça, c'était le chemin officiel. Bon, on atterrit ici. Ok, ok. Bon, bah, on est encore loin de la fin. Hein. Putain. J'ai 80 heures, j'ai l'impression d'être qu'à la moitié du jeu, quoi. Wesh! Où dois-je aller? If you're heading to the Forge of the Flame of Ruin, in the snow, you'll need to find the Grand Lift of Rol. Go if you would. The Two Fingers lost their purpose a lot. Le péché capital. If you're heading to the... You'll need to find the... Go if you would. The Two Fingers... Oh, ok, et rapidement, on va faire un truc. Ah merde, attends. Comment j'avais accédé à ce truc? Ah merde. Comment j'avais fait? Ah merde. Bourg de la capitale. Est-ce que c'est cette tour où je dois aller? Ok, c'est cette tour. On va activer la rune majeure. Comment ça c'est bloqué? C'est la tour divine d'Altus Est de l'autre côté du grand pont de l'Est Leiden. Tour divine d'Altus Est. Yo, président! Tour divine d'Altus Est. Tour divine d'Altus Est? Nique-toi! Bah. 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 Ok. D'accord. Bah, attends. Oriental de la capitale, c'est là où je vais aller. La forme, mec, bah écoute, on a commencé l'un d'elles. C'était un enfer. On a fait vite fait les égouts, on n'a pas encore fini les égouts. Et bah, j'ai buté Godric. Et attends, non, c'est pas là que je vais aller. J'ai buté Godric et j'ai rebuté Morgoth. Magritte, ou je sais plus comment il s'appelle. Chambre de la reine. Je m'en fous. Sanctuaire de l'arbre monde, ça je m'en fous. C'est ici. Bon divin. Ah putain les égouts. On a un peu progressé mais on n'a pas encore tout fait. Et faut que je retourne pour aller chercher coffrophage là. Il me dit ouais viens me libérer nanana nanana. Ah ouais je ne les ai pas trouvés. De quoi les égouts? Chelou. T'as pas trouvé les égouts? Ah t'as pas trouvé Magritte et machin? Faut que... Tour divine isolé. Est-ce que c'est celle-là? Non, elle est toujours bloquée. Eh bah écoutez. Non, Godric. Magritte, je m'en rappelle. Godric le premier, bah je suis passé... Bon, attendez, on va... Hop. On part en rentable de la capitale. Non, on va aller là. Sanctuaire de l'Arbre-Monde. Ouais, c'est là. Faut passer par le dragon. Faut passer par le dragon. Passant par le dragon, tu vas débloquer. Tu vas trouver un levier qui va ouvrir la porte. Et après, la porte, bah, t'as juste à suivre le chemin. T'as la table ronde. Et sur la gauche, en fait, t'as une grosse racine. Et il faut. Attends, Godwin. Oui, Godwin, ouais. Oui, le point Godwin, ouais. Bah, ici, là. C'est le mec qui était là, quoi. Godric. C'est pas les mêmes? Ouais, t'es déjà allé à l'Arbre-Monde.
Bon, en tout cas, nous, on va... T'arrives vraiment à la fin, je suis désolé, Prez, hein, on va s'arrêter là. 84 heures, niveau 121. Eh bien, écoutez, mes amis... Ah, putain, je devais faire un clip. Bah, attendez, on va refaire un clip. Bah non, on va faire mon intro. On va faire mon intro. Sur ce, mes amis de la Rediff, je vous fais des gros bisous, salut, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, parce que c'est VOD, cette série de VOD est trop longue. N'oubliez pas, recette, les cuisines, ferme la porte. Moi, je vais me coucher. Musique.